se lancer. Ok, maintenant nous allons commencer notre traitement de la dent. On commence d'abord par mettre une anesthésie de contact parce qu'on a dit tout à l'heure que le soin va se faire sous anesthésie locale pour qu'il n'ait pas mal. Donc je mets d'abord mon anesthésie locale et j'attends que l'anesthésie locale prenne avant de faire une injection d'anesthésie. Cette anesthésie locale va permettre de baisser la douleur de l'aiguille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'aiguille. Donc, cette anesthésie de contact permet de gérer donc, la douleur de l'aiguille. Comme ça, quand l'anesthésie de contact elle a travaillé, l'aiguille ne va plus se ressentir. Ça va baisser la douleur de l'aiguille. On attend quelques minutes que l'anesthésie de contact prenne et on va faire notre anesthésie avec l'aiguille maintenant. C'est l'anesthésie. Voilà, l'anesthésie avec une aiguille. Mais la douleur sera moindre parce que j'ai d'abord mis l'anesthésie de contact. Voilà. Oui, Deuxième partie, voilà. Oui, parce que je complète, il y a deux parties, il y a une partie vestibulaire et une partie linguale. Pour que la dent, parce que la dent, il faut que la dent soit bien anesthésiée pour ne le sentir pas quand il va travailler. Donc, comment il faut vraiment prendre l'anesthésie? Voilà, il ne faut pas que vous ayez mal. Pas que vous ayez mal. Ok. D'accord.
J'ai gardé un reste de capsule pour ajouter quand on va déjà ouvrir la dent, comme ça on pourra. Voilà, il faut faire preuve de courage. Il faut dire que j'ai un patient très courageux. Voilà. C'est un peu comme un début. Il y a beaucoup de lustres qui sont compliqués. C'est vrai que les grignons ne s'adaptent pas toujours au bon moment. Je pense que je me suis habitué déjà un peu. Alors docteur, est-ce qu'il faudrait rappeler aux patients, parce qu'on a commencé par le détartrage qui a fini, et là présentement nous sommes au deuxième soin. Et les observateurs, ils ont pris le soin déjà au niveau de l'anesthésie. Oui. Je ne sais pas s'il faudrait leur rappeler ce qui est à faire présentement. Voilà, on est à l'étape de l'anesthésie. Oui, on a fini l'anesthésie, on attend que l'anesthésie prenne. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas automatique. Dès que tu injectes sa commande, on attend qu'il te dise qu'il sent comme si la bouche est déjà gonflée. Mm-hmm. Dès qu'il va dire ça, je vais maintenant commencer à travailler parce qu'on va nettoyer la dent, comme on a dit, on va nettoyer les racines. Mm-hmm. Donc voilà, un peu. Donc, on attend que l'anesthésie, il va sentir comme si tout le côté là est gonflé. Ça veut dire que l'anesthésie elle a bien pris. Donc là, nous sommes en train d'attendre que l'anesthésie mm-hmm. soit. Oui, d'accord. Là, vraiment, c'est bon. On revoit mes téléspectateurs. Nous, on va continuer à huis clos. Le soin, voilà. Merci.